Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Quoscience. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On est très heureux ce soir de vous recevoir dans un format un peu particulier qui s'appelle le format donc Discutons dans le cadre des tchatches et sciences. Voilà, je vais placer tous les mots-clés importants. Donc tchatches et sciences, discutons, qu'est-ce que c'est? Discutons, c'est un format de 45 minutes, 1 heure, où on discute donc avec un spécialiste ou des spécialistes d'un sujet. Donc vous êtes habitués pour certains à avoir des sujets autour de l'agriculture, de l'écologie, de l'environnement de manière plus générale. Et Tchatch et Sciences, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est un discutons en collaboration. Et on est en collaboration avec donc une association qui s'appelle l'association Kimio du côté de Frontignan et avec le soutien de la région Occitanie que donc nous remercions bien entendu pour nous avoir soutenus pour réaliser ces lives. Alors normalement les lives ils sont en présentiel. Peut-être que à partir de juin on va pouvoir revenir sur du présentiel et alors là ça va être super. Mais effectivement pour le moment on reste en live et donc vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube en sachant que bien sûr que là vous pouvez nous regarder en direct mais qu'il y a aussi le replay et que si jamais vous nous regardez en replay vous pouvez aussi regarder le descriptif de la vidéo YouTube. Vous allez avoir plein d'informations sur ergonomie et agriculture parce que oui. C'est le sujet de la soirée et pour ce faire, on est avec Laurent Paya. Bonsoir Laurent. Bonsoir Guillaume. Laurent Paya, donc qui est maraîcher en bio depuis 1997, qui est aussi élu à la Chambre d'agriculture du Gard, élu à la Chambre régionale également. Et donc avec lui ce soir, nous allons parler. Bah, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le titre. Hein, ergonomie agriculture, est-ce que c'est compatible? Ça sera un petit peu donc la thématique de la soirée. On va essayer de voir ensemble bah, qu'est-ce que c'est l'ergonomie, en quoi ça consiste. Pourquoi c'est important dans l'agriculture de penser en termes d'ergonomie et effectivement aussi bah, potentiellement des solutions concrètes pour bah, améliorer le travail dans l'agriculture. Donc installez-vous bien, n'hésitez pas à nous dire si jamais il y a un problème technique, si y a un problème de son, si y a un problème d'image, bon ça peut arriver, on est en direct. Hein. Si jamais vous avez des questions, des remarques, ça aussi n'hésitez pas. Sur le chat, vous avez Victor, qui est donc le modérateur, qui aussi mettra à certains moments des petites définitions, des petits liens vers des sites internet, etc., etc., pour aller un peu plus loin. Mais Laurent, peut-être que on peut commencer tout d'abord par une petite définition, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours les idées claires quand on parle d'ergonomie. En quoi ça consiste, Laurent, l'ergonomie concrètement? Concrètement, si on regarde bien, quand on pense à l'ergonomie, on pense à un outil qu'on améliore pour se fatiguer moins. Ouais. Oui, c'est ouais. Ouais, y a de ça, mais après, il faut quand même penser un peu plus loin. C'est aussi comment on s'organise pour qu'on ait moins de stress, on va dire comme ça. Et il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est cognitif, tout ce qui est charges et variées, parce qu'on ne domine pas le sujet. Mais bon, on va Okay. rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail. Donc ça veut dire qu'il y aurait trois types d'ergonomie principale, c'est ça? Quand on parle Ça, alors d'ergonomie, c'est si, sur trois aspects, ouais. voilà, si on rassemble, ça nous donne l'ergonomie, on va dire physique, le corps, cognitive et organisationnelle. Et les trois sont imbriquées l'une dans l'autre et, à mon humble avis, indispensables l'une pour l'autre, pour améliorer, enfin, on va le développer, mais l'une et l'autre s'améliorent d'elles-mêmes. Et ça veut dire que si on pense à une, bah forcément, faut penser aux autres, quoi, hein, un petit peu. Hein, c'est compliqué de se dire qu'on va penser qu'à un type d'ergonomie, j'imagine. C'est ça. Alors, si on réfléchit, par exemple, on se dit, on adapte les conditions de travail. Allez, on va prendre un exemple. Là, ce soir, on est en visio. On va prendre un Ouais. ordinateur. On pense au clavier. Oui. Voilà. On fait un clavier qui nous permet de faire moins d'efforts pour les troubles musculo-squelettiques. Enfin, mais ça ne suffit pas. Il faut un écran qui nous fasse aussi plaisir à regarder.
si on regarde un timbre-poste, on va commencer de s'inquiéter et de ne pas être à l'aise. Et puis, il faut penser à tout son environnement organisationnel. C'est-à-dire que quand on commence une visio comme ce soir, prévenir son entourage qu'il ne va pas falloir faire de bruit, qu'on n'est pas trop dérangeable, mais qui sont les bienvenus pour aller regarder sur la chaîne YouTube. Ben voilà, il faut organiser tout l'ensemble du clavier jusqu'à l'environnement. Ok, très bien. Et alors là, on parle de visio, on parle effectivement, c'est l'exemple que tu as donné. Mais en agriculture, alors pourquoi c'est important de réfléchir justement en termes d'ergonomie? Hein, on peut se dire peut-être qu'on n'a pas le temps en fait. Hein, je veux dire, les agriculteurs, effectivement, ils ont aussi peut-être d'autres choses à faire que de penser en termes d'ergonomie. Pourquoi est-ce que c'est véritablement important? Ce qui est important, c'est que sur le moment, il faut réfléchir à l'ergonomie de demain. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire sur l'instant T. Ça, c'est valable pour partout, hein, il n'y a pas que l'agriculture. Mais en agriculture, un des inconvénients, c'est que la terre est souvent sous les pieds. Et donc, il faut se pencher pour planter, pour récolter, pour surveiller, enfin, tous les actes de l'agriculture. Donc, ben, l'idée, c'est de réfléchir en permanence, parce que ce n'est pas des métiers très compliqués, on va dire. On a le temps de se poser des questions, de se dire, mais comment je peux faire la même chose avec un sentiment de fainéantise? Comment je peux le faire en travaillant moins, en me forçant moins? Et quand on commence à se mettre ça dans la tête, tout le temps, pour toutes les séquences de travail, pour tous les instants, bah, pouf, on finit par améliorer une petite chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ça devient super sympa. D'accord, donc en fait, ça c'est vraiment l'année, par exemple l'année d'après, qu'on va améliorer les choses, c'est pas forcément sur le moment T, quoi, à l'instant T. Alors, à l'instant T, souvent, c'est la partie organisationnelle, on peut la changer rapidement. Ça, oui. Mais si on doit acheter un matériel, par exemple, vous êtes dans de la plantation de salade avec l'assistante de plantation, moteur thermique. Vous avez de la pollution sonore et olfactive, enfin du petit moteur thermique, quand on est sous une serre. Si vous vous dites, je vais le transformer par un moteur électrique, c'est pas faisable dans l'année. Il faut attendre la période creuse pour que la machine soit mise de côté. Enfin voilà, il y a deux choses, il y a plusieurs choses dedans. L'organisationnel, moi je dirais très vite, on peut améliorer ça. Le matériel, parfois, ça peut être plus long. Par contre, si c'est un couteau ou un manche de pelle qui est fendu et qu'on se fait des ampoules du matin au soir parce qu'il y a juste une fente, ben là, on le change tout de suite. Là, Oui, enfin, c'est moins voilà. compliqué, c'est moins compliqué, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Là, on va dire que c'est un peu plus intuitif, effectivement, directement, de se dire, bon, voilà. Mais donc ça veut dire que c'est de l'ergonomie, aussi simple soit-il, ça peut, c'est de l'ergonomie. C'est complètement incroyable de voir que, par exemple, vous êtes en position debout à faire du calibrage de tomates, de courgettes toute la journée. Vous achetez un tapis absorbeur de choc. Oui. Le niveau de fatigue, il est diminué par 5, voire 10 le soir. Vous n'avez pas mal au dos, vous n'avez pas de sensation de jambes lourdes, et le tapis doit coûter, allez, à tout casser, dans les 40 euros, quoi. Oui, c'est pas forcément des investissements lourds, ça aussi, c'est ça qu'il faut dire. Ah ouais. C'est pas tout révolutionner, c'est des fois des petites Non. choses qui font vraiment la différence. Complètement. Moi, autre exemple, mes salariés, donc j'ai 5 salariés, hein, temps plein. Il y en a qui ont un Opinel, je fais de la pub, hein, je suis désolé. Un couteau numéro 8, il y en a qui ont le numéro 9, il y en a qui ont le numéro 7. Ça dépend de la grandeur de la main. Et donc, comme ça, ils l'ont mis en main. Ils se fatiguent là aussi moins. Avec une lame bien aiguisée, on coupe la salade sans se fatiguer. Ok. Et quels sont un peu les risques au niveau dans l'agriculture? En fait, il y a beaucoup de problèmes il peut avoir des problèmes de santé, c'est ça, hein? C'est des problèmes physiques, par exemple, alors on parlait tout à l'heure de se pencher, avoir mal au dos, porter des charges lourdes, c'est surtout ça, en fait, les principales problématiques dans l'agriculture, non, en termes de santé. Et des exercices répétitifs. Voilà, le côté exercice répétitif, On l'a dit, hein, charge lourde, tout ça. Donc, quand c'est comme ça, il faut prendre tous les éléments un après les autres. Donc, si vous coupez une salade, là, je viens de parler du couteau, c'est le tout début, mais il faut
Il faut y réfléchir. Ça peut être avec ce qu'on appelle les supports de culture, de temps en temps, de faire des étirements. Hein, c'est un coach sportif qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais de temps en temps, tu tires des gars, tu étires un peu la colonne vertébrale, vous arrêtez 5 minutes, vous remontez les jambes pour un étirement des. C'est vraiment, comment dire, il faut l'avoir en tête tout le temps pour que doucement ça s'améliore. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que on va perdre 5 minutes, et là, c'est le patron qui parle, pour gagner, on les gagne après, puisqu'on est beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace. Et donc ça veut dire que effectivement il y a le côté changement de voilà technique investissement potentiellement et il y a le côté aussi bah, avec de l'existant. Comment je peux effectivement améliorer ma santé, mon travail, avec déjà des choses qui sont existantes, les supports de culture par exemple, pour effectivement s'étirer. Ouais, complètement. Et ça va même jusqu'à, là, on va rentrer dans la saison chaude, j'espère, parce que c'est un peu froid là Oui, pour l'instant. pour un mois de mai, c'est un peu froid, ouais. C'est avoir une glacière pour que les ouvriers aient une boisson fraîche. Ah oui, ok. Et ça fait partie, là, on est plus dans le cognitif, mais ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas avec une eau chaude. Enfin, vous voyez, c'est vraiment penser à tous les petits détails physiques, de bien-être et d'organisation. Ok, très Tout le bien. temps. Et concrètement, alors pour parler bah, justement de toi, ce que tu fais au sein de ton exploitation, donc en tant que maraîcher, qu'est-ce que tu as amélioré, en termes d'ergonomie, justement, comment tu l'as appliqué à ton exploitation agricole? Alors, c'est vraiment à tous les niveaux, hein. Par exemple, dans le camion de livraison. J'ai commencé presque par la fin, je ne suis pas très bien organisé là dans ma tête. Bon, ce n'est pas grave. Il y a des chemins de roulement, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de monter dans le camion pour décharger le camion. Les portes de serre, c'est une visseuse et visseuse avec un petit démultiplicateur qui fait monter et descendre les portes. D'accord. Je sens que tu as une question sur le bout des lèvres. Non, non, Non? non, Non, c'est bon, j'attendais la je suite. J'attendais la suite. continue. Les chemins, tous les chemins en bout des serres, deux véhicules peuvent se croiser. Les ouvriers n'ont pas à faire tout le tour du bloc de serre. Donc de se fatiguer, de se dire, mais oh là là, il est encore mal garé. Donc de remettre la faute sur l'autre. Donc là, on est dans le cognitif, c'est l'esprit de groupe. C'est quand un salarié commence, parce qu'on est, par exemple, il y a 5 lignes de salade dans la serre ou d'autres légumes. Celui qui va un peu moins vite, de temps en temps, on va l'aider à faire s'arranger parce que ben, il n'est pas en forme ce jour-là, pour pas qu'il soit à la traîne. Donc il est mieux dans son boulot et puis il rattrape. Ou s'il est un peu malade, ben, c'est lui qui va prendre le camion et aller livrer, plutôt que ce soit toujours le même. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit permanent. Je reviens sur le matériel. C'est donc l'assistante de plantation qui est passée en moteur électrique, qui était en thermique et qui faisait un bruit. On ne pouvait même pas se parler, deux personnes, 1 mètre l'une de juste limite Covid, ouais. 1 mètre D'accord, l'une de d'accord. l'autre. Ils ne pouvaient pas se parler, tellement il y avait de bruit. Alors, c'est un investissement. Alors, on tourne quand même autour de 4 000 euros hein, de modifications matérielles. Mais derrière, impossible de revenir en arrière. On est tellement bien à travailler comme ça. C'est lors d'un salon agricole du côté d'Avignon, parce qu'on part à toute l'équipe faire les salons de temps en temps. Moi, je crois que j'étais avec les semenciers, avec modération, en train de prendre l'apéritif. Fais attention à ce que je dis. Hein. C'est Paola, donc une de l'équipe, qui est venue vers moi et me dit, Laurent, j'ai trouvé une machine pour la plantation, super. Qui nous met et le goutte à goutte, et le paillage, et le plan à un seul passage. Alors qu'avant, on était dans les serres, on tirait le goutte à goutte à la main, on tirait le paillage à la main, et puis la plantation, on la faisait plier en deux, plan par plan. Là, on ne se penche plus, l'équipe se fatigue plus. C'est des chariots de récolte électriques, avec le centre de gravité surbaissé,
qui permet d'avoir plus d'équilibre et on n'a plus à forcer sur les dorsaux et les lombaires. D'ailleurs, je montre une image, Voilà, je vas-y, crois que ouais. c'est avec les melons, hein, c'est ça? Là, il y Alors là, tu dois a avoir si c'est celle des melons, voilà. Donc là, on a une assistante de récolte melon. les... Avant, on avait donc le Palox qu'on voit sur la machine, je suppose. Il était au bout de la serre. Donc on rentrait jusqu'au milieu avec un seau. On cherchait les melons au milieu du feuillage. On le mettait dans le seau. On sortait de la serre, mais on avait fait quoi? 2 mètres que le seau était plein. On re-rentrait, on ressortait et ainsi de suite. Là maintenant, on passe au-dessus. On arrive au bout de la serre, un transpalette qui prend le palox et on n'a plus à forcer. Ok, Voilà, ça c'est nickel. vraiment des exemples simples de réflexion. Comment dire? Les copains n'aimeront pas trop ça, mais que j'ai piqué à l'industrie. Ok. On est un peu en retard sur l'ergonomie physique, là je parle, hein, dans l'agriculture. Mais avec un peu de bon sens et de prendre du temps. Alors par contre, là où il faut faire très attention, et je le dis vraiment volontairement, c'est moi je le fais faire par des ateliers spécialisés pour que tout le matériel soit homologué pour éviter l'accident de travail. Ok. Voilà, c'est Donc, entre. pas de bricolage. Il faut éviter au maximum, en tout cas, le bricolage, on va dire. Ouais. Par exemple, d'essayer de me, je sais pas moi, de Ouais. faire une récolteuse soi-même, quoi, par exemple. Et dans l'absolu, il y en a qui le font, j'imagine, je veux bien le croire, mais dès qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut être au clair avec la loi. Dès qu'on a des salariés, il faut être aux normes. Et donc, il faut que les brevets et autres. Standards de sécurité soient respectés, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça le truc, quoi. Est-ce que combien c'est d'investissement, par exemple, là, la récolteuse, là, c'est très cher, en fait, pour un... Une récolteuse comme ça, c'est 4 000 euros à peu près, hein, de mémoire. Alors on parle hors taxe, hein, attention en agriculture, on parle Ouais, toujours hors taxe. d'accord. Dans l'année, en temps de travail, elle était payée. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire que derrière l'investissement que tu as fait, derrière, en fait, en temps de travail, tu le retrouves. C'est ça. Ok. Là-dessus, on rajoute que le temps qui est dégagé, je le mets en surveillance sur les plants de melon. Dès qu'on voit des pucerons, on arrache le plant, on l'extrait de la serre, ce qui fait que j'ai plus de traitement à faire. Donc Ouais. j'améliore tout l'environnement. J'ai plus à payer le traitement, j'ai plus à payer le temps de traitement. Enfin, tout s'améliore. C'est vraiment, comment dire, une spirale vertueuse. Ouais, d'accord. Le côté cercle vertueux, ouais, d'accord. Ouais. Mais vraiment, hein. Ok. Ça, c'est assez incroyable. Et c'est valable vraiment pour tout le matériel. Là, tout à l'heure, je parlais de la planteuse, l'assistante de plantation que Paola avait trouvée. Aujourd'hui, j'ai un gars qui est en haut de la serre. Et qui fait le branchement de suite des deux goutte à goutte. Ouais. Un autre en bas qui attend, il met le bouchon et de suite on a l'eau. Donc le plant ne souffre pas, meilleure reprise du plant, moins de casse. Enfin, et quand on sait le prix d'un plant de melon greffé, en gros, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à tous les actes. Et à chaque Ok, fois, ok. alors il y a ce que j'avais pensé. Ou espérer, ça marche à peu près à tous les coups. Puis après, il y a des choses, mais je me dis, mais ah oui, non, ça c'est mieux, et j'ai, enfin, on n'avait pas mesuré, quoi. D'accord. Et donc, pour prendre un autre exemple peut-être, tu avais l'exemple là tout à l'heure, enfin, en off, on discutait avec Laurent et il y avait le côté, alors là c'est la photo salade, où il est rangé de salade, effectivement. C'est aussi, il y a le côté donc effectivement machine, comme on disait au début, mais il y a le côté aussi rien que, effectivement, organisation, quoi, hein, Voilà. structure. Alors, par exemple, voilà, sur l'organisation, donc on est 5 salariés dans la serre, il y a 5 lignes de salade, chacun coupe sa ligne, tout le monde coupe. Quand quelqu'un est un peu en retard, je l'ai dit là tout à l'heure, on l'aide. Quand tout est coupé, on sait que par exemple, un arceau, c'est à peu près 10 caisses de salade. Voilà, on a des petites astuces comme ça, entre 2 arceaux, on a 10 caisses. Donc, si on sait que la commande est de 50 caisses de salade, on fait 5 arceaux.
Et là, après, tout le monde se relève. Il n'y a pas un qui reste. On prend un peu le temps, on discute, on est content d'avoir fait la coupe. Et là, tout le monde met en caisse. Et on met les caisses simplement sur le côté en laissant un passage pour le transpalette qui, lui, viendra. On n'a plus qu'à monter la palette sans faire d'effort, sans porter les salades sur de longues distances. Et tout le monde a fait tous les exercices. Et une fois que ça c'est fait, étiquette, le cerclage, ce qu'on appelle le cerclage, et après, y a plus, on n'a plus besoin de personne, on n'a plus à forcer, la palette va directement dans le camion, prête à être livrée. D'accord. Donc c'est beaucoup plus optimal que si jamais on avait effectivement des salades un peu partout sur ce qu'on a vu sur la photo là de la serre, quoi. Voilà, ou qu'on le ramasse à la brouette, qu'il faut la sortir à la main, qu'il faut remettre sur dans le camion ou dans le coffre, qu'il faut après le remettre sur une palette en arrivant au lieu de vente ou de coopérative. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un. Alors moi, c'est organisé pour quand même des volumes. Hein. Il faut être honnête, tout le monde n'a pas une exploitation avec des volumes comme j'ai. Mais c'est adaptable. Oui, parce que même si on est, c'était une de mes questions. Pardon. Si on est un petit exploitant, qu'on écoute cette émission là et qu'on se dit voilà, bon moi là ça me concerne pas parce que moi j'ai pas effectivement les serres de Laurent. Ça peut marcher quand même parce que l'ergonomie en fait c'est pas justement réservé que, je dirais, aux grosses exploitations. C'est même pour les très petits quoi. Ah oui, complètement. Le petit chariot de récolte électrique surbaissé là, au niveau du centre de gravité, il est valable pour, même si on met 5 cultures dans une serre, on monte ses caisses, alors on ne le sort pas au transpalette, on le sort avec ce chariot. Il faut vraiment se dire quels sont tous les actes que je peux faire par une machine ou que je peux organiser un peu différemment pour moins me fatiguer, quoi. Tout à fait. Et en plus, ça sert sur le côté physique, mais aussi mental, parce que effectivement, les deux sont liés. Et concrètement, quand ça va pas niveau physique ou quand on est en galère de temps, parce qu'on doit récolter très rapidement ou qu'on n'a pas le temps de faire d'autres choses, bah voilà, ces aspects-là, en fait, ils sont intéressants à réfléchir. C'est ça, il faut imaginer un matin d'hiver pluvieux, froid, où on sait qu'on va galérer. Dans le boulot, moi aujourd'hui, c'est une journée que, enfin, j'aurais de la peine à me lever. Là, je sais que physiquement, globalement, tout va à peu près bien se passer. Puis ça me laisse du temps pour l'imprévu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des imprévus en agriculture, Ah ça. oui, toujours. On travaille Mais avec du vivant. On travaille avec du oui. vivant, donc Ouais, on effectivement. devait être ensemble ce soir C'est dans un ça. endroit, on est C'est en ça. visio, donc voilà. Les imprévus, on connaît, effectivement. Quand on a des employés, hein, comment on sait justement, comment on adapte, je dirais, un petit peu sa manière de gérer ses employés, et notamment aussi au niveau de leur ergonomie et de l'ergonomie générale de l'exploitation, comment on réussit en fait à savoir comment adapter, quoi, d'une certaine manière. Là, moi, j'ai été piqué un système qui vont parler peut-être à quelques-uns très loin de la JAC, Jeunesse Agricole. Le C, je laisse les gens le deviner pour pas frustrer les gens, mais c'est voir, juger, agir. Donc, avec les salariés, il faut être avec eux. Donc, on voit, puisqu'on est ensemble. Donc, on voit, on prend le temps, on discute, on partage, on collecte de l'info. Voilà, ça, c'est la première phase. Et là, on va lever des éléments qui bloquants, des freins. Puis après, on va juger. Voilà, ça, c'est déjà. Plus dans le bureau ou en moment de recul où on va se dire, voilà, ça, c'est incontournable, la terre sera toujours sous les pieds. Est-ce que je peux me mettre à genoux?
Est-ce que je peux prendre un système de récolte couché sur le ventre? Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui va être le plus adapté à mon exploitation, à mon travail, à ma ferme, à mon mas? Puis, on va se fixer des objectifs réalisables. Voilà, là, on est dans le moment où on juge. Puis après, il y a le moment où on agit. Donc là, on est un peu plus tard. Alors, généralement, je rajoute une petite période de discussion avec les salariés où je propose des pistes pour voir si ça colle, s'ils sont éventuellement d'accord avec ce que je propose. Et puis, là, c'est incontournable. Là, c'est moi. Je décide à un moment, je tranche. Et puis, on y va. Il y a des gens qui sont un peu ronchons, toujours dans l'équipe, à tel ou tel changement. Hein. On n'est pas habitué, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas cette culture du changement. On ne l'aime pas, il fait peur. Et puis après un petit temps d'appréhension et de préhension, il y a les deux, et bien on se retrouve avec des gens qui préfèrent le travail dans cette façon-là. Et j'ai la chance, alors pour l'instant, de ne jamais avoir eu de marche arrière à faire, où l'équipe a dit ça, tu laisses tomber ça. Ah, en amont, oui, ils m'ont dit là ton idée, Ça marche, ça tu va pas peux la marcher. garder, on n'en veut pas. Ça, bon, ça arrive. Mais une fois que j'ai pris la décision, que j'ai vraiment pris ce temps de voir et de discuter avec l'équipe, de juger, alors ça demande d'aller dans des salons, hein, d'aller sur Internet, de chercher, faut fouiller, hein, ça c'est pas tout seul. Et puis après, le temps de décision, alors. Quand je suis dans le jugé, il y a aussi la faisabilité financière, adaptabilité du matériel ou du choix qu'on va faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Ben oui, tiens, allez, je choisis de prendre un tracteur plus puissant, mais qui fait 3 mètres de haut, il ne passe pas dans mes serres. Voilà, il faut abandonner. Voilà, faut quand même réfléchir. Donc, il faut des matériels très bas. Enfin, c'est tout un travail avec les gens qui m'entourent. Ouais. Et justement, alors tu parlais de salon, comment on fait pour voilà, se renseigner un peu sur ce qui existe? Parce que c'est vrai que c'est pas simple de savoir ben justement que par exemple. Alors, on a parlé de la planteuse, de la récolteuse, voilà, que ça existe. Et puis également, même sur les méthodes, je dirais, d'organisation, de structuration. Comment on fait pour se renseigner quand on est agriculteur sur ces questions? Tout d'abord, il y en a quelques-unes qu'on a créées avec mon équipe. On les a dessinées, on les a envoyées du Ah oui. côté d'Angers à quelqu'un que je connais. Ok, donc elles étaient adaptées, elles étaient vraiment, alors là pour le coup, Ah, adaptées à là, elles la. sont Ouais. faites pour nous, là. D'accord. Et qui sont aujourd'hui sur le marché. Hein. Alors, il existait des choses, mais enfin, c'est un partage, là aussi, avec le constructeur. Allez, je peux leur dire, hein, c'est Construction Humo, il faut être gentil avec eux quand même, ils font plein de choses. Allez, on va même mettre, alors je crois que c'est la planteuse avec la marque Humo, la Voilà, petite photo. Voilà, comme ça. ils sont contents. Non, ouais, c'est super sympa de travailler avec eux. On arrive vraiment. Mais alors là aussi, quand on parlait tout à l'heure de tout ce qui est ergonomie, là je suis dans la cognitive, enfin à peu près. Moi je suis fidèle avec mes fournisseurs. On se connaît depuis 25 ans. Ils savent si je dis un truc. Ils savent très bien sentir si c'est avec sérieux ou. Ben voilà, c'est. Il y a tout un travail de apprendre à se connaître, comme avec mes salariés. Il faut partager. On Ok, l'oublie, hein, on est ok. aujourd'hui dans un monde de l'isolement. Moi, ça, je ne pourrais jamais plaider pour ça. Ouais. Bah non, parce que si, en plus, si on partage pas, on partage pas les bonnes solutions. Ouais, non, mais Justement, comme. complètement. Puis, Donc. après, on rentre dans la confrontation. Enfin, partage. Avant tout, le C'est. partage. C'est indispensable. Et donc, ça, c'est pour la première partie du matériel. Et la deuxième, ouais, il faut se déplacer. Il faut aller aussi bien en Espagne que les salons en France, que des salons en Allemagne, dans l'Ouest. Bon, moi, je suis dans le Sud, hein. Ouais, Mais ouais.
Et puis après, ce qui est super sympa, c'est que je vais piquer du matériel chez les copains. Par exemple, on a ce qu'on appelle un rotovator, donc qui travaille la terre. Et là, il est inversé, ce qui fait que j'ai piqué ça au jardin espace vert. Ok. Ça laisse un petit lit de terre dessus pour une meilleure reprise des plants. Et eux, ils l'utilisent pour l'engazonnement des stades, des pelouses et tout ça. Donc voilà, il faut D'accord, être d'accord. curieux. Donc ça veut C'est pas dire parce que je suis. aller voir pas que dans du matériel, par exemple, de maraîcher. Ça peut C'est être d'aller ça. voir dans du matériel de plutôt gestion espace vert, par exemple. Ouais. Par exemple, ça peut être. Moi, j'ai pas besoin de charrue, mais j'ai été chercher une charrue pour défaire les bâches plastiques de mes tunnels sans forcer. Qu'on a D'accord, un peu d'accord. modifié. Enfin, j'ai du matériel de viticulteur. Enfin, à droite, à gauche, partout, être curieux et un peu imaginatif quand même hein, pour trouver Ok. l'adaptation possible du matériel. Ouais. D'accord. Sur le côté aussi, voilà, pour s'enrichir et pour se renseigner, il y a le côté formation aussi. Et ça, je sais que Laurent, toi, tu es particulièrement un fervent défenseur justement des formations, étant responsable national formation justement sur ces aspects-là. Concrètement, un agriculteur, sur l'onglet formation, comment il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut se former justement, notamment sur l'ergonomie? Alors, sur l'ergonomie, il faut être très clair. Si vous tapez bien-être au travail, il y aura plus de formations pour le bien-être des animaux, le bien-être du végétal que pour le bien-être des humains. D'accord. Voilà, ça c'est la vérité, stricto sensu. J'ai fait l'expérience ce matin, donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller que vous soyez salarié ou employeur. Hein, il n'y a pas de souci. Sur les catalogues de l'un et de l'autre, hein, sur Internet, l'un c'est Vivea, VIVEA, et l'autre c'est Ocapiat, hein, c'est deux organismes collecteurs des finances de formation. Je pense que tu dois avoir le lien, Oui, Guillaume, hein, si tu veux le mettre. le lien est dans le descriptif de la vidéo Ouais. YouTube. Donc vous regardez dans le descriptif, que vous soyez en replay, que vous soyez en live pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo et vous allez avoir le lien. Donc effectivement, vous pouvez aller directement sur le site internet. Ouais, tout à fait. Et on peut expliquer un peu en quoi ça consiste. Ouais, exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie agricole, pure. Mais moi, enfin, j'ai rien contre si quelqu'un trouve une formation de bien-être dans l'industrie du bois, la métallurgie, chez les bouchers. Enfin, il faut jamais. Enfin, je le dis tout le temps. On parlait de partage il y a 2 secondes. On se cloisonne. Je ne sais pas pourquoi. Tout est cloisonné. Et du coup, on perd de la richesse. Donc, il faut aller chercher partout. Et il y a du bon partout, chez tout le monde. Il y avait un gars qui disait qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes, il n'y avait que des herbes qui n'étaient pas au bon endroit. Ah, c'est pas mal ça. Et celle-là, Elle est jolie cette phrase, elle est jolie, elle est ouais. sympa, hein? Et donc, on peut la transposer à l'humain. Ouais, C'est-à-dire ouais. que si un ouvrier n'est pas bon, c'est parce que, quand on dit pas bon, attention, hein, je ne fais pas de. C'est parce qu'on n'a pas su, un, lui donner les ordres, je parle de l'ouvrier, ou il n'est pas au bon endroit. Ouais, Mais il n'y a pas ouais. de honte à ça, c'est à nous, un peu le responsable, le chef d'équipe, de dire au gars, mais tu es peut-être plutôt fait pour faire du melon que de faire de la salade. Moi, dans mon équipe, il y en a qui sont plus rapides à la coupe de salade ou à la coupe de courgettes et qui vont être moins rapides sur le melon. D'accord, Et ok. vice-versa. Voilà, mais c'est une équipe, on est tous différents parce qu'il y a des choses qui nous plaisent plus, parce qu'on a plus l'œil à quelque chose. Voilà. Mais pourquoi vouloir mettre de côté des gens qui sont différents? Enfin, moi, ça me. Au contraire, même, c'est la complémentarité qui est intéressante. C'est Voilà. justement d'avoir des gens qui sont dans la diversité complémentaire, quoi. C'est ça. Et ça, c'est super. Et de toute façon, le boulot, on doit le faire. On sait qu'on doit arriver, on est au point A, on doit arriver au point B, comment on le fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions, et de préférence en rigolant.
Mais il y a des fois avec l'équipe, mais on arrête parce qu'on a trop mal aux zygomatiques pour continuer, quoi. Ah oui, d'accord. Là, c'est stop, là. Là, c'est... Ah ouais, là, la bêtise va arriver, quoi. Mais c'est parce que ça fait partie du boulot. D'accord. J'ai à aucun moment, parce que bon, je m'absente un peu plus qu'eux, hein, eux sont vraiment les permanents de l'entreprise. Moi, avec les responsabilités que j'ai, je suis un petit peu absent. Quand j'arrive et qu'ils sont en train de faire une pause, il n'y en a aucun qui part en courant au boulot. En se disant, Oh, Laurent va m'engueuler, ça va... le patron arrive. Oh. Non, non, c'est voilà, c'est normal. C'est ça. Là, on est dans le cognitif, hein, on est dans l'ergonomie cognitive. Il y a Ouais. ça. Ok. C'est se sentir bien. Ouais. Ça, c'est. Mais c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est Ah ouais. hyper important de se sentir bien dans son travail, parce que quand même, on y passe du temps. Dans son travail. Et d'autant plus, alors quand on est employé comme un chef d'entreprise, il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Oh Et là. ça, c'est vrai que c'est hyper important. Parce que le peu de temps qu'on passe à la maison, enfin, on enlève les 6, 7, 8 heures de sommeil, les 7 heures de boulot, le reste, c'est du partage en famille. Et si on est malheureux dans son boulot, ben, on va mal dormir et on va mal communiquer avec le reste de sa famille ou des gens qui nous entourent. Ça devient catastrophique. Et on revient le lendemain encore moins bon qu'on était la veille, et ainsi de suite. Et après, je comprends, il y a des endroits, c'est pas possible, hein, mais j'ai une grande confiance dans l'être humain pour que, non, de non, on puisse tous se respecter et trouver notre place dans. Il y a des gens qui seront ingénieurs et il y a des gens qui seront ingénieux. C'est ça. Et il y aura peut-être les deux aussi, hein. On aura peut-être des gens ingénieurs, ingénieux. Ouais, des chercheurs qui trouvent. Voilà, des chercheurs trouveurs, c'est clair. Peut-être, on va terminer dans pas très longtemps. Donc, si jamais vous avez des petites questions, j'ai vu qu'il y avait quelques remarques, mais si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Juste peut-être Laurent sur le côté justement ergonomie. Est-ce que tu penses que c'est bien pris en compte à l'heure actuelle en France sur au niveau de l'agriculture? Est-ce que c'est à développer? Et s'il faut développer, comment on peut faire? Justement, ça passe par les formations, ça passe par une meilleure prise en compte politique, peut-être aussi de l'ergonomie dans l'agriculture, je ne sais pas. Alors, le milieu agricole est organisé un peu en intramuros. Hein. On n'est pas à la Sécurité sociale, on est à la MSA. On a notre caisse. Et les équipes, par exemple, de notre mutualité sociale agricole, accompagnent les agriculteurs sur demande. Ils viennent pas comme ça, naturellement, hein, sur demande. Ouais, ils accompagnent sur les exploitations pour faire éventuellement un diagnostic. Et puis après, il y a même des aides financières. Ah, ok, Qui existe de d'accord. la MSA pour des investissements. Après, selon le système d'organisation, on peut alors avoir des aides de l'Europe, on peut avoir des aides du département, de la région. Il y a différents niveaux selon le lieu où on habite. Ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des aides qui peuvent se coupler. Et par exemple, si on veut faire de l'investissement, on parlait tout à l'heure des 4 000 euros, par exemple, Ouais. effectivement, pour une récolteuse. Bon, bah ça peut être effectivement aussi aidé par ce type d'aide financière, quoi. Complètement. Ou alors on peut l'acheter à plusieurs. Donc là, on est dans la coopérative d'utilisation du matériel, ce qu'on appelle les CUMA. Ouais. Mais vraiment, on est dans un milieu où tout est organisé, segmenté. C'est assez rigolo de voir un peu les différences entre les différents métiers. J'ai eu la chance d'être dans d'autres secteurs avant, d'être dans l'agriculture. Et c'est vrai que le milieu agricole a son petit fonctionnement là. C'est bien. Et toi, tu dirais donc que c'est quelque chose à gentiment briser, c'est-à-dire à aller justement par-delà un peu les frontières bien segmentées du corps agricole? Non, mais moi, j'adore l'endroit où je travaille. Donc, comme on dit, hein, on ne va pas dans la soupe. Mais parfois, il en résulte une opacité. C'est-à-dire que les chemins ne sont pas faciles à trouver parce que, il y a beaucoup plus de publications, beaucoup plus d'écrits, de sites pour, on va dire, les non-agricoles. Qui représente peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui, on est rendu à
90%, on doit être plus que 10, 12-15% d'agriculteurs, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais on a moins voilà, de possibilités ou de facilités à trouver les informations. Mais Ouais. il suffit de se rapprocher, on va dire, de son syndicat, de sa chambre consulaire, et puis les informations arrivent. Mais il faut Ouais. sortir de l'exploitation. Ouais. Et c'est Ben vrai oui. que effectivement, ça demande à un moment donné de prendre du temps pour ça. C'est Et ça. il faut bien se dire, comme tu disais tout à l'heure, que ce temps-là, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement pour derrière le retrouver en une meilleure santé, potentiellement au niveau économique, c'est meilleur aussi, etc., etc. Donc de voir que c'est vraiment, ça va jouer sur toutes les dimensions en fait. Si vous avez des personnes qui sont heureuses de votre travail, ils vont être efficaces, efficients, premièrement. Deuxièmement, ils vont être moins malades, parce que moins mal au dos, enfin, ils sont mieux au boulot. Donc, pas besoin de trouver de remplaçants. Donc, on gagne du temps à ne pas chercher de remplaçants. Pas besoin de former le remplaçant. On gagne du temps de formation. Après, on les met sur une machine, là on est sur l'investissement plus lourd, on n'est plus sur l'organisationnel, on passe sur le physique avec du gros matériel. On va souvent dégager du temps. On va diminuer le temps, par exemple, de plantation sur des légumes en ligne, on va le diviser facilement par 10. Donc ce temps-là, on peut le mettre en observation. Donc ici, agriculture biologique, il faut du temps d'observation. S'il y a des ravageurs, s'il y a du cryptobiote, enfin des champignons, enfin, s'il y a des choses comme ça, il faut le surveiller. Donc on peut déplacer, décaler ce temps-là. Si on est sur la récolte de melon, on se fatigue moins et donc on gagne là aussi du temps dans la récolte. Donc on peut planter un petit peu plus. Parce que comme j'ai l'assistance de plantation où on se fatigue moins, dans le même temps, on peut planter un peu plus. Et comme on aura le temps de le récolter avec la même équipe, on peut récolter un peu plus. Donc, quelque part, on crée une richesse supplémentaire qu'on peut après distribuer au personnel. Mais alors ça, c'est encore un autre sujet, mais ce n'est pas le sujet du soir. Et on pourra peut-être faire même un autre live sur ce sujet une autre fois, effectivement. Et il y a quelqu'un qui nous dit, c'est pas qu'au maraîcher qu'on s'adresse là. Non, c'est pas qu'au Ah non. maraîcher. Voilà, Ah non, c'est parce universel qu'effectivement, ce que je dis. tu parles de légumes, etc. Mais les éleveurs, c'est pareil. Voilà, enfin, je veux Ah non, mais dire. c'est tout le monde, chaque jour, partout. Là, on part sur, comme tu as dit, la fin de notre rendez-vous. J'extrapole un peu. C'est valable dans tous les corps de métier, dans toutes les instances. Il faut réfléchir à faire avec moins d'efforts, trouver des solutions. Il y a l'adage là qui dit, ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, on est tout dans la vitesse et l'argent. Moi, je dis qu'il faut prendre un peu de temps pour aller peut-être beaucoup plus loin dans la vie et mieux s'organiser. Et si j'étais étudiant encore aujourd'hui, ça me permettrait peut-être d'aller à un cours sur deux et d'avoir plus de temps pour faire une petite fête avec l'ouverture des terrasses bientôt. Exactement. Effectivement. Eh ben oui, c'est vrai. Ben voilà. Ouais. Parlons d'un sujet d'actualité. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour les étudiants qui nous écoutent en direct ou en replay, l'organisation, l'ergonomie, c'est aussi, et pas que pour ceux qui travaillent, mais c'est également pour ceux qui étudient. Et c'est aussi important de penser en termes d'ergonomie. Tout à fait. Pour tout, partout. C'est bête comme chou, mais un ordinateur portable posé sur la table, vous avez mal au dos et au cou. À la fin de la visio des 3 heures de cours ou des 4 heures, il suffit de mettre 2 remètres de papier en dessous et ça va beaucoup mieux. Et c'est un truc tout con et ça demande pas de gros investissements. Et ça, c'est voilà, c'est quand même. Et s'il faut, c'est une boîte de chaussures, hein, en voilà. carton. Ou les bouquins du prof. Voilà, c'est ça. Voilà, ceux qu'on a lus, bien sûr. Oui, pas les autres. Oui, c'est vrai. Non, parce que sinon, c'est compliqué pour les révisions. Hein. Attention après. Hein. Non, très bien, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Laurent, en tout cas, Avec pour plaisir. cette petite discussion de cette soirée. Donc.
où effectivement on a parlé ergonomie et agriculture. Si jamais bah, ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à bah, nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Quotient si vous voulez suivre nos prochains lives. On parle régulièrement d'agriculture, d'écologie, de sciences de manière très très large. Effectivement, on a plein de sujets. Si vous fouillez un peu sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a effectivement plein de thématiques qui ont déjà été abordées. Juste peut-être pour terminer quand même, il y a donc les deux organismes qu'a cité Laurent, donc on peut les rappeler, c'est Vivea, c'est ça? IVA au capiat. Ocapiat. Il y a le lien donc sur le descriptif YouTube. Si jamais il y a d'autres questions, si jamais des agriculteurs nous contactent, se posent ces questions, ils contactent la Chambre d'agriculture, par exemple, c'est une bonne voie d'entrée, ou le syndicat. Oui, Ouais. et complètement, mais même dans un autre métier, la chambre consulaire en général, chambre des Ouais. métiers de l'agriculture, chambre du commerce et de l'industrie, enfin. Chaque filière est organisée parce que moi je trouve que c'est bien d'élargir le sujet. Ouais, Donc ouais. voilà, chambre consulaire d'une manière générale qui seront aiguillés vers les différents organismes. Et notamment faire des formations, voilà, pour en Et savoir ouais, plus, voilà. il faut savoir s'arrêter. Une formation, c'est un petit temps de pause qui permet de redonner une bulle d'oxygène. Moi je conseille à tout le monde, tous les 3-4 ans, une petite formation tout le long de la vie, là ça fait du bien, 3 jours, Ouais, ça fait ouais. du bien. Et puis même si des fois, effectivement, on n'a pas forcément le sentiment qu'on en a besoin impératif, bah des fois, une petite formation, ça peut mettre de la perspective, un autre point de vue, un autre regard. Et c'est là où on s'aperçoit que, ah, bah tiens, en fait, ça me fatiguait un peu plus que ce que je pensais. Ou c'était peut-être ça qui n'allait pas, etc., etc. Ouais, avec des cultures différentes. Ouais. Moi, je me suis retrouvé avec un Normand qui faisait de la vache laitière, et alors que je suis maraîcher, il m'a appris beaucoup de choses. D'accord, ok. Et là, on est dans le partage pour le coup, là. Et voilà. bon, on est au moment de la conclusion. Je pense qu'il faut Ouais. bien garder dans l'esprit pour l'ergonomie, corps, esprit, organisation. Ces trois types d'ergonomie, là, qui sont... Ouais, ok. Faut penser aux trois. Ils sont pas trop dissociables. Si on travaille que sur le couteau, ça va pas le faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Laurent. Avec On plaisir. se retrouve bah, très bientôt. On se retrouve en fait demain. Demain, alors demain c'est un peu particulier, c'est Science du terroir. On va en fait dans un vignoble brasserie. C'est le domaine des Cascades dans l'Aude. Là, on va interviewer. Alors, on va pas interroger sur l'ergonomie, quoique je poserai une question, je pense, sur l'ergonomie quand même à un moment donné. Mais on va plutôt parler de leur bière, parce qu'ils font de la très bonne bière et pour effectivement fêter le retour des bars, ben on va dans une petite brasserie locale pour valoriser leurs produits, discuter avec eux de comment ils font et puis ben, tout simplement se dire que c'est qu'on a des bons produits dans notre région, il y en a plein et que acheter local, c'est pas mal. Voilà. Rien. Allez, très bien, merci à tous, je vous souhaite une très très belle soirée et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Conscience. À très vite.